ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Aujourd'hui, nous allons commencer par citer un hadith rapporté par l'imam Muslim, hadith de Abu Huraira رضي الله عنه. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: une aumône ne diminue en rien les biens du serviteur. Plus le serviteur se montre indulgent et plus Allah renforce sa notoriété. Et plus il fait preuve de modestie pour Allah, plus Allah l'élève. Ce hadith, il mentionne, comme vous le voyez, les mérites de l'aumône, du pardon et de l'indulgence, et de la modestie. Ce hadith, il décrit aussi les conséquences heureuses qui résultent dans ce bas monde et dans l'au-delà de ces trois qualités. Il prouve également que ceux qui s'imaginent que l'aumône diminue des biens du donateur, que l'indulgence et la notoriété ne peuvent cohabiter, ou bien qu'on ne peut concilier modestie et un statut élevé, nous font en fait qu'entretenir de vaines illusions et de fausses présomptions. Donc, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous encourage ici à être bon envers les gens, bon envers les nécessiteux par le biais de l'aumône, bon envers celui qui nous a fait du mal en lui rendant par le pardon, et bon envers les gens en général, en évitant de s'enorgueillir sur eux, mais plutôt en étant modeste et accessible. L'islam appelle à la bonté, au bon comportement. Ainsi, jamais l'aumône ne diminue des biens. Même si, sur un point de vue purement comptable ou bien visuel, la personne, elle pense que ça diminue de ses biens, elle a l'impression qu'elle avait 30, elle donne 15, il lui reste que 15. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est celui qui a donné ces biens-là sincèrement pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah ta'ala va mettre la bénédiction, la baraka, dans le reste de ses biens. Et avec les 15 qui restent, il va lui faciliter de ne pas les gaspiller, de ne pas les perdre dans une chose, la réparation d'une chose qu'il aurait cassée, ou bien des dépenses dans une maladie, ou dans une dépense quelconque qu'il n'avait pas prévue. Ou bien Allah Ta'ala va lui ouvrir une porte pour avoir une subsistance large, dans le halal, dans le licite, par le fait qu'il ait fait cette aumône. Donc, jamais une aumône, elle ne diminue des biens. De plus, ce qui est donné pour Allah, c'est ce qui reste. Alors que ce que tu gardes, c'est ce qui va s'épuiser. Ça, on le sait, du hadith où Aïcha radiallahu anha a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en parlant du mouton. Elle avait fait aumône de tout le mouton sauf de l'épaule. Elle a dit il n'en reste que l'épaule. Alors au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre, il est resté en entier sauf l'épaule. Car ce qu'elle a donné, c'est ça qui est resté auprès d'Allah comme récompense pour eux. Ce qui est resté, ce qu'ils n'ont pas donné, c'est ce qu'ils vont épuiser et manger. Donc, elle n'aura pas la récompense de l'aumône. Donc, donner l'aumône à tous les ayants droit, que ce soit les veuves, les orphelins, les nécessiteux, les personnes de passage, les personnes endettées, tous ceux qui ont droit à l'aumône. Alors, c'est un grand bienfait pour l'être humain. Car c'est la cause de purifier cet argent-là.
de mettre la bénédiction dans cet argent. C'est la cause qu'Allah lui ouvre les portes du bien et de la subsistance licite. Et c'est la cause de purifier son cœur de l'amour de l'argent. Tout le monde est attaché au bien, naturellement. Mais le fait de le donner pour Allah, alors à la place d'une partie d'amour naturel, on va dire, qu'on avait pour cet argent, alors à la place de cet attachement va venir l'attachement à Allah Ta'ala, l'amour d'Allah, de ce qu'il y a auprès de lui comme récompense, l'amour de l'au-delà. Faire l'aumône, des dons, aider les nécessiteux, c'est une des meilleures manières de purifier son âme. Se détacher du matériel. Et de savoir qu'en réalité, cet argent qui est dans nos mains, il ne nous appartient pas réellement. Mais Allah Ta'ala nous a donné la lieutenance et la responsabilité de cet argent. Et il regarde comment nous agissons. Comme il est venu dans le hadith sahih, hadith Abi Sa'id al-Khudri. Certes, cette dunya est verte et tendre. Et Allah vous en a donné la lieutenance pour voir comment vous allez agir dedans. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que les pas d'une personne ne passeront pas le jour du jugement dernier avant qu'il soit questionné sur quatre choses. Parmi les quatre choses, c'est bien d'où il les a acquis et comment il les a dépensés. Et les versets qui enjoignent de dépenser sur le sentier d'Allah sont nombreux. Les hadiths qui encouragent à dépenser dans les différentes voies du bien sont très nombreux. Nous connaissons la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Avec chaque journée qui se lève, il y a deux anges qui invoquent Allah tabaraka wa ta'ala. Premier dit, Ya Allah, donne à celui qui dépense dans les voies du bien une compensation générale. Ça, c'est pas obligatoirement dans les biens. Dans la religion, dans la santé, une compensation dans la famille, une compensation même dans les biens. Et l'autre dit, Ya Allah, donne à celui qui retient une perte. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Bilal, dépense au Bilal et ne crains pas la pauvreté de celui qui possède repose-pied. C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Dans le sens des versets, Allah ta'ala a dit, voilà que vous êtes appelés à dépenser sur le sentier d'Allah. Et parmi vous, il y en a qui sont avares. Et celui qui est avare, il n'est en réalité avare qu'envers lui-même. Car Allah est riche et c'est vous qui êtes besogneux et nécessiteux. Et si vous tournez le dos, si vous vous détournez, Allah vous échangera avec un autre peuple qui ne seront pas comme vous. Cet autre peuple-là, ils vont être des bons croyants. Ils vont dépenser fisabilillah. Et d'autres textes qui sont très nombreux. À l'époque des Sahaba, radiallahu anhum, des tabi'in et des gens pieux et des savants, combien d'histoires de gens qui ont dépensé sur le sentier d'Allah et Allah il leur a donné une compensation dans leur bien. En plus de la baraka et de la grande récompense qu'il leur a réservée. Donc, ceci est pour répondre à cette vision matérialiste. Cette logique qui fait que non, j'ai donné 15, sur 30 il me reste que 15, j'ai perdu. Non. Tu as donné 15, 15 sont restés auprès d'Allah. Et Allah il va mettre la baraka dans les 15 qui restent. Et Allah il va bénir dans ta personne, dans ta santé, dans ta famille, dans ta religion. Si tu comprends ça, c'est pas 15 que tu donnes 30. Et c'est comme ça qu'ils ont compris. C'est comme ça qu'Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors que ce jour-là, il avait moins de bien que Omar. Omar s'est dit, pour une fois, je vais pouvoir devancer Abu Bakr dans le bien. Se concurrencer dans les bonnes œuvres. Il est venu, il avait amené en quantité plus qu'Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Il avait amené la moitié de toutes ses richesses. À l'époque, quand on dit les richesses, c'est pas comme aujourd'hui. Quand on dit les richesses, on pense que à l'argent. Non. Quand on entend les sahaba, quand on entend les versets, les hadiths, ils disent les richesses, c'est tout ce qu'ils possèdent. Maison, monture, tout. Quand on dit la moitié de ces richesses, c'est la moitié réellement de tout ce qu'ils possèdent. C'est beaucoup. Il a dit aujourd'hui, je vais devancer Abu Bakr, pour une fois. Vous savez comment il était Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, que personne n'arrivait à le devancer dans le bien. Comme le hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, aujourd'hui qui a visité un malade, Abu Bakr al-Mulama, aujourd'hui qui a jeûné, aujourd'hui qui a suivi un cortège funéraire, etc. Abu Bakr, toujours. Donc, Abu Bakr est venu. Il a ramené des biens. Omar radiallahu anhu a vu que ces biens en quantité étaient moindres que les servants. Il s'est dit, pour une fois, je vais pouvoir devancer Abu Bakr. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a posé la question. Ya Omar, qu'as-tu laissé à ta famille? Ou avec quoi es-tu venu? Il a dit, j'ai laissé la moitié de mes biens à ma famille, au messager d'Allah.
Et il a dit à Abu Bakr radiallahu anhu, qu'as-tu laissé à ta famille, Abu Bakr? Il a dit, j'ai laissé Allah et son messager. J'avais tout ramené fi sabilillah radiallahu anhu. Non. Donc c'est des gens comme Allah tabaraka wa ta'ala appelle cela comme un commerce avec Allah. Celui qui prête à Allah un bon prêt. Quand il donne pour Allah tabaraka wa ta'ala, Allah a imagé cela comme un prêt pour lequel Allah va te rendre beaucoup mieux. Alors qu'en réalité, cet argent, il appartient à Allah. Comment tu lui prêtes? Tu n'es que responsable de la manière d'agir dedans. Non. Et moi, j'ai remarqué une chose. Ce n'est pas les gens les plus riches qui sont spécifiquement les plus généreux, les frères. Il y a des gens qui sont pauvres, mais ils sont prêts à sacrifier tout ce qu'ils ont pour plaire à Allah Ta'ala. Comme cette histoire de ce compagnon dont Allah a parlé dans le Coran. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans la mosquée, il a demandé qui est prêt à accueillir mon invité. Tellement ils étaient pauvres, ils pouvaient pas, ils n'avaient pas de quoi l'accueillir à la mosquée, ou ils n'avaient pas. Il fallait que quelqu'un se désigne pour pouvoir le nourrir. Alors, voilà ce compagnon qui l'a accueilli chez lui. Il est rentré voir son épouse, il lui a demandé « qu'est-ce qu'il y a ?» Elle a dit « il n'y a que la nourriture des enfants, on n'a rien d'autre. » Alors, il a dit « va les coucher, débrouille-toi pour les coucher qui dorment sans manger. » Elle a sacrifié la nourriture de ses enfants. Et ils ont invité cet invité, et ils ont éteint les lumières. Et ils ont fait mine de manger. Mais il n'y avait pas assez, il y avait assez que pour une personne en réalité. Que pour l'invité ou un peu plus. Et ils l'ont laissé manger correctement, eux ils n'ont pas mangé. Et ni leurs enfants ils n'ont mangé. Le lendemain, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à cette personne, Allah il s'est étonné de la manière dont tu as accueilli ton invité. Et Allah ta'ala il parle de, dans le Coran. Il devance les autres sur eux-mêmes alors qu'ils en ont eux-mêmes un grand besoin. Comment les compagnons radhiyallahu anhum étaient, comment ils se sacrifiaient les uns pour les autres. Il y a des livres et des livres sur ça, et des hadiths authentiques et des récits authentiques sur ça. C'est ça qui a fait d'eux des hommes. Ils n'avaient pas peur de la pauvreté. Ils avaient une confiance totale en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Aujourd'hui, subhanallah, on a beaucoup plus de moyens qu'à leur époque. On vit tous dans le luxe. Tu prends un des plus pauvres qui existent sur cette terre aujourd'hui, par rapport à l'époque des compagnons, c'est quelqu'un qui est bien déjà. Quoique il y a bien quelques pays qui sont, subhanallah, vraiment très pauvres, même encore à cette époque. Et ça, c'est une honte. Quand on voit le gaspillage qu'on fait, l'opulence d'argent et de biens, on veut perdre du poids tellement on mange. Vous imaginez? Maintenant, le souci de tout le monde, c'est comment je vais me freiner, je ne vais pas trop manger. Alors qu'il y a des gens qui ne trouvent pas de quoi manger une journée. Non. Donc, ce hadith vient nous montrer quel rapport on doit avoir avec l'argent. Et on doit avoir la certitude que ce qui est dépensé pour Allah, ce n'est que bénéfique pour nous, des bénéfices en ce monde et dans l'au-delà. Dans notre religion, et même dans notre vie matérielle et dans notre famille, et dans notre santé, et dans notre personne. Sans compter le plus important, qui est une grande cause de purifier cette âme bestiale. Et de la détacher de l'amour de l'argent et du matériel. C'est naturel que l'être humain, il aime les biens, qu'il les dépense, mais il doit ne pas s'y attacher. Il doit aimer Allah Ta'ala et plaire à Allah et les bonnes œuvres plus que ça. Il doit être prêt à sacrifier ces biens-là pour plaire à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ça, c'est la première catégorie qui est citée dans le hadith. La deuxième, c'est le fait d'être pardonneur et indulgent. Le pardon, mes frères, c'est vraiment une qualité énorme, très grande. Dans le sens des versets, Allah Ta'ala dit « Repousse de la meilleure des manières. » Et voilà que l'animosité qu'il y avait entre toi et lui se transforme comme si c'était un ami chaleureux. Ton ennemi, avec le fait que tu le repousses de la meilleure des manières, ça devient comme un ami chaleureux. Combien de versets? Allah subhanahu wa ta'ala, il l'encourage de pardonner. Que qui retiennent leur rage, leur colère, pardonnent aux gens. Et Allah aime les bienfaisants. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fort, ce n'est pas celui qui terrasse ses adversaires. Le fort, c'est celui qui se contient au moment de la colère. Ibrahim al-Nakhai, parmi les pieux prédécesseurs, a dit, en parlant des salafs, des sahaba et des tabi'in, ils détestaient se faire rabaisser. Mais quand ils montraient la capacité à se venger ou à réparer le tort, ils pardonnaient. C'est-à-dire, ils montraient, je suis capable de te remettre à ta place, mais je te pardonne.
Je le fais pas par faiblesse, parce que j'ai peur. Je le fais par amour pour Allah. Je te pardonne alors que je suis capable de te corriger. Donc regarde comment ils étaient. Allah. C'est facile de pardonner pour un faible. Il n'a pas le choix. Il peut pas se venger. Il peut que pardonner. Mais un fort qui est capable de se venger, il pardonne. Ça, c'est la noblesse. Ça, c'est la noblesse. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus l'acculer, les bédouins. Donne-nous du butin, donne-nous de l'argent, donne... ils l'ont poussé jusqu'à que son manteau il s'est accroché au buisson épineux. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, si j'avais quelque chose, vous l'aurez donné. Je ne suis ni peureux, ni avare. Hakad al-Muslim. Il est capable, bien sûr, il n'a peur que d'Allah, il ne craint qu'Allah, il a cette force de foi. Il est capable, mais il pardonne pour Allah, subhanahu wa ta'ala, en cherchant cela, le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le pardon, c'est meilleur. La personne qui pardonne, il est apaisé dans son cœur. Il n'a aucune rancœur, il est tranquillisé. Alors que celui qui garde la haine dans son cœur, c'est comme un feu qui le brûle de l'intérieur, qu'il ne le laisse pas en paix. Celui qui pardonne, il dort tranquille. Il est apaisé. S'il pardonne et qu'il tourne la page, n'aimez-vous pas vous-même qu'Allah vous pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala, les gens, ils l'insultent. Ils lui donnent des associés. Ils adorent autre que lui. Ils ne le reconnaissent pas. Allah ta'ala, il est indulgent. Il les laisse vivre. Il leur donne à manger, à boire. Il les laisse avoir un peu de joie avec leurs enfants. S'il se repent, Allah ta'ala accepte son repentir. Il fait des péchés. Il revient à Allah. Allah accepte son repentir. Subhanahu wa ta'ala. Celui qui aimerait qu'Allah le pardonne, qu'il soit aussi pardonneur avec les gens. Et le fait de pardonner, ce n'est pas une faiblesse. C'est une hauteur d'âme et c'est une noblesse. Le seul cas où il n'est pas bon de pardonner, c'est si cette personne est un criminel. Que le fait de lui pardonner, il va faire de l'injustice encore à d'autres personnes que toi. Là, tu pardonnes pas. Ou bien il va continuer dans son injustice. Là, tu me pardonnes pas. Pour son bien et pour le bien des autres, non pas pour te venger, pour lui éviter de continuer son injustice. Et en dehors de ça, pardonner, c'est meilleur. Combien d'ennemis haineux sont devenus des amis chaleureux par le pardon? Combien de gens se sont approchés du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire du mal? Ils sont repartis comme étant les meilleurs alliés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sont venus pour lui faire du mal, ils sont repartis comme les meilleurs alliés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par quoi? Par son pardon, par son indulgence. Comme cet homme venu pour le tuer, qui a pris une épée, qui l'a brandie au-dessus de lui, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dormait. Quand il s'est réveillé, il voit un bédouin avec une épée au-dessus de sa tête. Il dit, alors, qui va te protéger de moi? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tout calmement, avec un cœur apaisé, rempli de certitude, il lui a dit, Allah, Allah, Allah. Il a tremblé, il a fait laisser tomber l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam de prendre l'épée, il lui a mis. Il lui a dit, toi, qui va te protéger de moi? Il a dit, toi, ne sois pas comme moi. Sois le meilleur preneur. Moi, je suis mauvais, toi, tu es bon. Effectivement, il sait de ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, il avait raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pardonné. Il l'a laissé repartir. Il est reparti, il a dit, je viens à vous d'auprès du meilleur des hommes. Même les ennemis farouches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Quraysh, ils n'étaient pas capables de dire du mal de lui. C'était un mensonge impossible à forger, tellement tout le monde savait comment il était. Quand le chef des Byzantins, il a demandé à Abu Sufyan comment il est, comment il a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses qualités incroyables, avant qu'il soit musulman, Abu Sufyan, quand il combattait les musulmans. Radiallahu anhu. Aussi, il précise une chose. Que la récompense d'une mauvaise action est une mauvaise action pareille. Mais celui qui pardonne et corrige, alors sa récompense est auprès d'Allah. Ceci est meilleur. Donc demander réparation de son injustice, c'est permis. Quand c'est possible. Mais pardonner, c'est meilleur. Il y a une plus grande récompense en cela. Vous connaissez tous l'histoire du voisin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc qui lui faisait du mal, qu'il lui mettait des saletés devant lui. C'était un juif. Et quand il a vu qu'il n'avait pas de nouvelles de lui, qu'il ne le voyait pas, qu'il ne lui posait plus les ordures, au lieu de se dire, bon,
je suis débarrassé d'eux. Non, il a pensé à leur bien. Qu'est-ce qui leur arrive? Il a été les visiter et voir s'il pouvait leur venir en aide à un problème qu'ils avaient. Il a trouvé qu'ils étaient occupés par leur fils qui était mourant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pensé tout de suite à quoi? À la guider de ce fils mourant. Il l'a appelé à l'islam. Voilà que le fils, il a regardé son père. Le père lui dit, obéis à Abul Qasim. C'est-à-dire, il sait qu'il a raison. Il a fait la double attestation de foi et il est mort sur l'islam. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti de la maison. Son visage était brillant comme la pleine lune. Tellement il était heureux. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il désirait pour les gens. La guider. Leur bien. Le fils de quelqu'un qui lui fait du mal, son voisin, il veut pour lui le bien. Et pour le voisin aussi. Non. Donc, la personne qui est indulgente, qui pardonne, elle est aimée de tous, subhanallah. Dans toutes les sociétés. Pas seulement dans les sociétés musulmanes. Dans toutes les sociétés du monde. Une personne qui pardonne, elle est aimée de tous. Car les gens reconnaissent en lui cette qualité énorme. Cette force qu'il a de pardonner. Car faut être fort pour pardonner à quelqu'un qui, et surtout des gens qui t'ont fait des grandes injustices. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu victorieux à la Mecque. Il n'y a pas eu besoin de bataille. Ça montre aussi comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même quand la guerre était nécessaire, il faisait en sorte que ce soit avec le moins d'écoulement de sang possible. Il aurait pu rentrer, se venger de tous ces gens qui l'ont combattu des années, qui ont tué certains de ses compagnons, qui les ont torturés, qui l'ont insulté, qui ont essayé de le tuer, qui l'ont exilé, qui lui ont fait tout le mal, alors que lui, il leur voulait que le bien. Il aurait pu entrer plein d'orgueil, plein de gloire. Les vainqueurs, quand ils rentrent dans une cité, ils rentrent plein de gloire, plein d'orgueil. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est entré la tête baissée, en disant, la ilaha illallah, plein de modestie, la tête baissée. Et il a demandé aux Quraishites, qu'est-ce que vous pensez que je vais vous faire aujourd'hui? Et il leur a dit, je vous dis, comme mon frère Youssouf a dit à ses frères, qu'Allah vous pardonne. Nul reproche, même les reproches, je ne vous les fais pas. Comme Youssouf, alayhi salam, avec ses frères, qui l'ont jeté dans le puits, qui l'ont éloigné de son père par jalousie, et qui sont venus, à la fin, il leur a dit, la tathriba alaykum al-yawm, yaghfir Allahu lakum, wa huwa arhamur rahim. Non. Donc, le pardon, l'indulgence, c'est vraiment une force et une qualité énorme. Un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne au serviteur qu'il a aimé. Mais c'est une qualité aussi qui peut s'acquérir. La personne, elle s'entraîne. Comme la patience. En s'efforçant à patienter, il apprend à être patient. De même, en s'efforçant à pardonner, alors la personne, elle acquiert cette qualité si c'est pas une qualité qui est innée en lui. Non. Et la meilleure chose à gagner, c'est qu'Allah va traiter cette personne de la même manière dont il s'est comporté avec les gens. S'il a été pardonneur et indulgent, alors il peut espérer d'Allah qu'il sera pardonneur et indulgent avec lui. C'est pas ce qu'on veut tous. On n'espère pas qu'Allah il soit miséricordieux, pardonneur et indulgent avec nous. Avec toutes les fautes qu'on a, tous les manquements, tous les péchés qu'on accumule, les manquements dans nos obligations, sans compter celles qu'on fait pas, celles qu'on fait, est-ce qu'on les fait bien ou on les fait mal, et les manquements vis-à-vis des gens, vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de notre religion, beaucoup de choses. Et les péchés, dans le regard, dans l'ouïe, dans la langue, dans les mains, dans... On a besoin du pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le plus perdu, c'est celui qui croit qu'il n'a pas grand-chose à se faire pardonner. Vraiment, lui, il est aveugle. Et c'est ça qu'il disait les sahaba, il disait ça aux tabi'in. Il y a des péchés que vous faites aujourd'hui, vous les voyez aussi fins qu'un cheveu. Pour nous, c'était quelque chose d'énorme. C'est un grand péché terrible. Il n'y a que les gens qui ont la foi solide qui voient la gravité des péchés. Quelqu'un qui considère que ce qu'il fait, c'est pas grave, c'est quelqu'un dont son cœur est malade. Et la troisième qualité, on en a parlé en parlant de l'indulgence, qui est la modestie. La modestie, c'est le contraire de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est de réfuter, de rejeter le vrai et de mépriser les gens. Refuser la vérité et se croire mieux que les gens, c'est de l'orgueil. La modestie, c'est le contraire. C'est accepter la vérité
et ne pas se croire mieux que les gens et se sentir un musulman parmi les simples musulmans. Même certains savants et jeunes hommes pieux, ils se considéraient eux comme le pire des gens. Abdullah ibn Mas'ud, il a vu que beaucoup de gens s'attroupaient autour de lui, le suivaient. Il a dit, Wallah, si mes péchés ils avaient une odeur, vous me fuiriez tous. Vous ne pourriez pas rester à côté de moi. Il dit pas ça pour un jeu, il joue le modeste. Il le dit sincèrement, c'est pas parce que celui qui joue le modeste, c'est pire celui-là. C'est-à-dire, il veut se donner une image pour devant les gens. La seule modestie qui est acceptée auprès d'Allah, c'est celle qui est sincère. Pour Allah, c'est quelqu'un qui a compris la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne peut pas s'enorgueillir. Il sait qu'il n'est rien. Qu'Allah, c'est lui le créateur. Que tous les bienfaits dont il jouit, ça vient d'Allah. Les choses qu'il a fait, c'est par la permission d'Allah. Donc, qu'est-ce qu'il a pour s'enorgueillir? En réalité, il a fait quoi, lui? Tout ça, c'est par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il a pu faire comme bien. C'est Allah qui lui a donné la vie, la santé, la nourriture, la respiration, l'intelligence, la force. Il lui a mis les causes autour de lui qui fait qu'il s'est retrouvé à cet endroit, à ce moment. Tout vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc la personne, en quoi, en vérité, il peut s'enorgueillir? C'est encore pire, quelqu'un, il s'enorgueille d'une chose qu'il n'a même pas faite. Dans le sens des versets, Allah ta'ala dit, Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Car effectivement, la foi et la science religieuse, c'est ce qui pousse quelqu'un à être modeste. Plus la personne est forte dans sa foi et plus la personne connaît Allah et connaît la religion d'Allah correctement, d'une manière sincère, plus il est modeste. Et le contraire est vrai. Moins la personne a la foi et plus il est ignorant, plus il est orgueilleux. Sauf dans certains cas, comme Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il a cité que parfois, certaines personnes peuvent augmenter en orgueil plus ils augmentent dans la science. Car ils ne sont pas rentrés avec une intention sincère dans l'apprentissage de la science. Cette science-là, elle ne leur ramène pas une lumière et de la modestie et une pratique et une compréhension, l'attachement à Allah, l'attachement à la sunna correctement. Elle ne leur rajoute que de l'orgueil. Et ils utilisent cette science pour s'enorgueillir sur ceux qui en ont moins qu'eux. Celui qui commence dans la science avec cette intention et qui ne la corrige pas entre temps, elle ne fera que lui en rajouter de l'orgueil. Et il fera partie des trois premiers qui seront jetés en enfer le jour du jugement dernier sur leur face. Car ils n'auront pas appris cette science pour Allah, mais pour que les gens tournent leur visage vers lui, pour se vanter devant les faibles d'esprit ou pour polémiquer avec les savants. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui apprend cette science pour se vanter devant les faibles d'esprit et polémiquer avec les gens de science et tourner le visage des gens vers lui, qu'il prépare sa place en enfer. Par contre, celui qui demande la science religieuse d'une manière sincère, pour plaire à Allah, pouvoir adorer Allah avec science, pour pouvoir savoir quel est le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour s'y attacher, l'enseigner par la suite, en voulant répandre le bien comme une aumône qui est donnée. Alors celui-là, plus il évolue dans la science, plus il augmentera en modestie. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des gens très simples. Ils n'aimaient pas les manières. Ils n'aimaient pas se donner une image contraire à la réalité de ce qu'ils sont devant les gens. Ils détestaient cela. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est que le paraître. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ah tiens, là je vais parler pour montrer que je connais cette chose-là. C'est juste pour flatter la cavalerie. Illa man rahim Allah. Ah mais si je dis ça devant les gens, qu'est-ce que les gens vont dire? La personne, il n'est pas là en contrôle permanent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il me regarde. Est-ce qu'Allah agrée cette parole? Est-ce qu'Allah agrée cet acte? Est-ce que je vais gagner la satisfaction d'Allah par cette parole, par cet acte, par ce fait, par ce silence, par toute chose? La personne, elle se demande. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne, en pardonnant, elle ne fait qu'augmenter en notoriété et dans son honneur. Et plus la personne est modeste, plus Allah l'élève. Dans le cœur des gens sincères, auprès de lui, subhanahu wa ta'ala, avant cela. Car l'orgueil, c'est un défaut, une caractéristique blâmable chez les créatures. Et c'est une qualité pour Allah. C'est un de ses noms et ses attributs, al-mutakabbir. Et il n'a pas la même définition et le même sens que quand il est désigné, utilisé pour l'être humain ou pour la créature. C'est celui qui est conscient de sa grandeur.
Malgré ça, il est indulgent et pardonneur. Qu'Allah Ta'ala nous donne ses qualités, nous permette d'être des gens qui dépensent dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être pardonneur et qu'il nous donne la modestie, d'être humble vis-à-vis d'Allah avant tout, puis vis-à-vis des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, Allahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallillahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa alhamdulillahi rabbil alamin. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.